Les infos de Space News sont présentées le dernier jour de chaque mois à la jonction avec le suivant. Pour vous mettre au diapason et harmoniser vos fréquences individuelles avec celles du nouveau monde qui est en train de se déployer. Les informations présentées proviennent de la profondeur des coulisses et du secret des alcôves. Je vous mets donc en garde. Évitez tout comportement désinvolte ou irrespectueux. Soyez tous et toutes les bienvenus sur Space News. Les informations et actualités sont présentées par ordre alphabétique. Les urgences ou les extrêmes urgences sont présentées en premier et sont accessibles par tous et par toutes. Vient ensuite l'actualité présentée par ordre alphabétique de A à Z. Elles sont divisées en deux parties. La première partie est accessible gratuitement au grand public. La seconde partie est réservée aux sponsors des forfaits 1, 2, 3 et 4. La première partie présente des informations de nature que je qualifierais d'acceptable ou de moyennement perturbante selon votre degré d'éveil. Tandis que la seconde partie présente des informations inconnues du grand public et souvent explosives qui ne sont pas à prendre à la légère. Si vous décidez de rejoindre Space News, vous êtes averti, ayez une attitude responsable et faites-le en toute connaissance de cause. Au-dessus de chaque lettre, vous trouverez l'intitulé du thème ou des thèmes qui sont développés. Par exemple, dans la partie 1, au-dessus de la lettre B, le thème développé est l'actualité concernant le projet Bluebeam. Au-dessus de la lettre C, les actualités sur trois thèmes, la Chine, le climat et la Covid. Dans la seconde partie, au-dessus de la lettre N, l'intitulé annonce l'actualité sur le nouvel ordre mondial version 2.0. et le nucléaire par rapport à la guerre en Ukraine. J'ai mis ce qui concerne la Troisième Guerre mondiale sous W et l'intitulé WW3 pour
World War III en anglais. Je vous laisse quelques minutes pour prendre connaissance de tous les intitulés. Dans les jours et les semaines à venir, les théoriciens du complot vont être douloureusement satisfaits, car leurs théories vont être confirmées. Des changements et des annonces, ainsi que d'autres événements, vont se produire. Tout se passera soudainement au-delà de votre imagination. La Chine participe à la création du Nouvel Ordre Mondial version 2.0, le compte à rebours de la bataille finale pour nettoyer le Deep State, et des préparatifs sont en cours pour réorganiser les USA et ouvrir les camps FEMA. De nombreuses personnes vont être arrêtées et internées. Peu de temps avant et après l'ouverture des camps FEMA aux États-Unis, les mégadonnées d'identité numérique capteront les émeutiers qui entravent la transformation des États-Unis en un système socialiste et les transféreront dans les camps FEMA. Ces arrestations incluront des internements pratiques de citoyens et l'armée effectuera les évacuations sous la supervision du gouvernement fédéral dans des transports routiers ou des wagons équipés pour le transport civil de masse. Les nouvelles de décès de célébrités ou de leur retrait de la scène publique dû à une infection au Covid, que ce soit dans le showbiz, dans les domaines financiers, de la culture, du sport ou des célébrités royales, que vous voyez dans les médias de masse, sont toutes falsifiées. Ils sont en fait arrêtés et ou remplacés par des doubles, des clones, des acteurs masqués ou des hologrammes. Le 11 septembre 2001, le monde et son économie se sont arrêtés. La transition entre cette période et celle-ci est qu'après cela, ce n'était plus qu'une illusion que nombre de pays ont imprimée et qui est devenue la base de la monnaie virtuelle. Le système financier mondial, dans le cadre du nouvel ordre mondial et les perspectives pour les actions chinoises s'aggravent de jour en jour. La Chine fermera le marché boursier et avec l'effet domino, d'autres pays suivront. La monnaie légale de la Chine, le renminbi, deviendra la première monnaie de réserve
des grandes banques centrales du monde entier. Le renminbi vaudra l'équivalent d'un dollar. La monnaie numérique se développe de plus en plus et évolue d'est vers l'ouest. La réserve de devises numériques en USD, en dollars, et en euros a été lancée en Chine, en Russie et en Australie à la mi-février 2022. Le projet Bluebeam, une technologie hautement avancée, a été testé le 8 septembre 2021 dans le monde entier depuis Shenyang en Chine. Le projet Bluebeam, créé par la NASA, est une stratégie scientifique mettant en œuvre des technologies spatiales high-tech. Ce projet mettra en place une religion mondiale unique, le noachisme, qui constituera la fondation du nouvel ordre mondial avec un sauveur unique, un culte unique et une pensée unique, universelle. Des projecteurs projetteront des images simultanées à travers toute la planète et les médias relayeront l'information d'une réalisation tant attendue de prophéties et de mythes anciens. Il utilisera le ciel comme écran de projection holographique à partir de satellites générateurs de lasers spatiaux comme dans la guerre des étoiles. En 2022, la Chine remplacera l'économie de marché par une économie planifiée. Les Chinois entreront dans de nouveaux rôles avec une politique d'essor rural pour sauver la planète. En ce qui concerne le rôle réel de la Chine dans la guerre et les événements entre la Russie et l'Ukraine, la Chine prépare le terrain en vue de l'année 2030. Elle a un rôle dans la stabilité du monde et soutient le développement du nouvel ordre mondial version 2.0, un équilibre délicat qu'elle essaie de maintenir avec calme et sagesse. Les trois astronautes de la mission spatiale chinoise, Shenzhou 13, sont revenus sur Terre après 6 mois passés dans la station spatiale. C'est le plus long séjour jamais effectué par la Chine dans l'espace. Il s'agit d'une nouvelle étape réussie pour Pékin dans son ambitieux programme spatial destiné à rattraper les États-Unis, l'Europe et la Russie. L'équipage était composé de 3 pilotes de l'armée, le commandant Jia Zigan, 55 ans, sa collègue Wayne Yapin, 42 ans, et le Benjamin Yi Kuan-fu, 41 ans, dont c'était le premier vol spatial. L'objectif final de la mission était de développer les attitudes nécessaires à une occupation permanente de la station. La capsule a atterri avec une somme considérable de données spatiales et un grand nombre d'informations qui n'ont pas encore été publiées.
Nous venons d'observer le cinquième mois de mars le plus chaud jamais enregistré dans le monde, et certains endroits n'ont jamais été aussi chauds si tôt dans l'année. Mais la chaleur n'était pas au rendez-vous pour tout le monde, car des conditions extrêmement froides et glacées ont été enregistrées en Europe du Sud-Est et en Afrique du Nord. L'Arctique, l'Asie et l'Antarctique se distinguent vraiment comme points les plus chauds, et l'Arctique a eu le mois de mars le plus chaud jamais enregistré. La chambre forte mondiale de graines, la Grainothèque du Svalbard, est une chambre forte souterraine sur l'île norvégienne du Spitsberg, destinée à conserver des graines à une température de moins 18 degrés. Située sur l'île norvégienne isolée de Spitsberg, la réserve de semences renferme aujourd'hui près de 1,2 million d'échantillons de graines appartenant à 5481 espèces différentes. Cette chambre forte est une véritable réserve de semences. En effet, une large partie des variétés agricoles cultivées dans le monde y est stockée sous forme de graines, généralement conservées en congélation. C'est un lieu indispensable pour préserver la vie. Elle se trouve donc dorénavant dans une zone de plus en plus chaude et est menacée par le réchauffement climatique. La structure s'enfonce de plus en plus dans le pergélisol qui fond. Une fuite d'eau s'est produite à l'entrée du tunnel, mais aucune semence n'avait à l'époque été endommagée. Ce genre d'incident risque malheureusement de se reproduire, car on parle de 7 à 10 degrés de plus. Cette hausse entraînera des changements, de fortes précipitations, des avalanches, des glissements de terrain. La saison des neiges pourrait être plus courte et le pergélisol devrait continuer de fondre. La structure et la réserve de semences sont donc dorénavant à risque. Au fur et à mesure que la Chine se rétablit des récentes nouvelles vagues de Covid et affirme sa position de leader mondial, le changement climatique en Europe et en Amérique va s'intensifier. Cela sous-entend, bien entendu, une intention et une interférence artificielle avec les cycles naturels du climat. Les températures mondiales sont surveillées au moyen de systèmes d'ingénierie météorologique. Le climat sur Terre est presque entièrement contrôlé artificiellement. Il est encore naturel dans certaines régions lorsqu'il correspond à ce que les températures sont censées être naturellement dans chaque pays en fonction de la saison. Néanmoins, même si le contrôle est important, il n'est pas total. C'est la gestion artificielle du climat qui est contrôlée davantage entre le 33e parallèle nord et le 33e parallèle sud. Entre le tropique du Cancer et le tropique du Capricorne,
le contrôle du climat artificiellement est de 99 à 100%. Puis le degré de contrôle diminue plus vous allez vers le nord ou plus vous allez vers le sud. Le climat de l'Europe est contrôlé, mais pas à 100%. Cependant, même si c'est plus au nord du tropique du Cancer, le contrôle est renforcé par l'utilisation de chemtrails et par les stations HARP, dont certaines peuvent être déplacées au fur et à mesure des besoins, notamment centrées sur l'Europe et les USA. Dans les 3 prochaines années environ, le nouvel ordre mondial version 2.0 sera mis à l'épreuve par des changements géophysiques géants. Selon les données calculées par la Banque de données mondiale, le taux de survie est de 0,5 à 1 pour 100 000, donc 70 millions pour 7 milliards d'habitants. Un nouveau variant Covid muté qui est mortel a commencé à se propager, notamment chez les jeunes enfants, avec des cas au Royaume-Uni, en Europe du Nord, en Espagne et aux États-Unis. Ce nouveau variant s'appelle Xi, X-E. Les tensions du confinement ont révélé des divisions opposant les jeunes aux anciens, les locaux aux étrangers et surtout les personnes négatives au Covid contre les personnes qui sont positives. Je vous fais passer l'information pour que vous sachiez que cet aspect de la transformation de l'humanité est en train d'être déployé et qu'au fil du temps, avec de la patience, nous pourrons avoir accès à cette nouvelle technologie. Les lits médicaux sont en train de se déployer. Pour l'instant, une première conférence va être mise en place dans au moins 2 pays, les USA et l'Australie. Ils ne sont pas disponibles pour l'instant en France, ni en Europe et aucun autre pays. L'accès à la conférence est réservé uniquement aux centres de soins qui souhaitent installer un lit médical et la technologie correspondante dans leur centre de soins ou de thérapie. Ce n'est pas une formation, c'est une simple présentation de la technologie à des professionnels de la santé uniquement qui doivent envoyer une demande pour en bénéficier et avoir les financements nécessaires. Mais je le répète, ce n'est pas du tout possible, à part aux USA et en Australie. L'apprentissage à la technologie et la validation positive de la demande qui est faite par le centre de soins est liée à la présence du responsable de ce centre lors de la conférence qui durera entre 3 et 5 jours. Elle se passera dans un hôtel avec des salles de conférence. C'est une conférence qui a lieu en personne. Et il faut y être présent et l'avoir fait avant de pouvoir avoir l'accord d'installation de cette technologie dans votre centre de soins. Ce n'est absolument pas une invitation pour vous faire soigner,
ni utiliser les lits médicaux, ni un cours pour savoir comment ils fonctionnent. C'est une simple conférence pour les centres de soins professionnels qui souhaitent l'acquérir. Avant l'installation, ils doivent assister à la conférence et donc se déplacer par avion là où elle aura lieu. Et je ne sais pas s'il y en aura en France. Lorsque le lit médical sera installé dans votre centre, des militaires seront présents pour les risques que cela représente pour le centre et les patients. Donc, sachez qu'il y aura une présence militaire dans votre centre de soins professionnels. Mes contacts extraterrestres ont longuement insisté sur ce genre de technologie. C'est une technologie holographique utilisant des hologrammes haute définition et les leurs sont très avancés. Par exemple, ils peuvent modifier la configuration de l'ADN du sujet en quelques secondes pour changer la couleur des cheveux ou la couleur des yeux. Mais pour la Terre, il existe différents niveaux de lits médicaux qui, même lorsqu'ils sont encore simples, fonctionnent très bien pour réparer les dommages corporels, les accidents ou pour répliquer des cellules souches. Voici un extrait d'une vidéo que j'avais faite qui vous permettra de prendre connaissance des 5 types de lits médicaux et comment, lorsqu'une personne est en stase sur un vaisseau spatial en 5D, la conscience rejoint le corps en 3D sur Terre et vice-versa. Ce genre de capsule est géré par une intelligence artificielle dont certaines des fonctions sont décrites dans le livre Artificielle, page 17. L'intelligence artificielle mesure en permanence tous les paramètres physiologiques, la fréquence cardiaque et respiratoire, la pression artérielle, la température, la diurèse et l'indice de masse corporelle et des centaines d'autres fonctions comme les systèmes squelettiques, musculaires, endocriniens, lymphatiques et immunitaires, les systèmes respiratoires, digestifs, reproducteurs, excrétifs, les compartiments liquidiens, les différents tissus, le système nerveux et les organes des sens. Les technologies des lits médicaux sont expliquées en détail dans le livre 3, Premier contact, à partir de la page 323, et ces explications répondent à la question des internautes. Comment se passe le processus de réincarnation dans une nacelle médicale utilisant un programme d'immersion, lit médicalisé, nacelle médicale? Où les corps sont-ils entreposés en attendant qu'ils se réveillent? La nacelle médicale, le lit médical ou le lit médicalisé sont différents types d'appareils qui mettent en œuvre des technologies de guérison, de régression de l'âge ou de régénération du corps humain
utilisant des technologies laser ou de cellules souches. Il en existe de plusieurs types. Les lits régénérants peuvent guérir toutes sortes de maladies, du cancer aux symptômes post-traumatiques, des maux de dos et des douleurs chroniques, des problèmes rénaux, de dépression ou d'anxiété. Ils peuvent aussi réparer les os cassés ou fracturés, reformer des membres complètement, des organes, les dents, des parties de squelette, de cerveau, de chair, ou pour effacer tout type de cicatrices ou de blessures sur le corps humain. Ce sont des postes médicaux automatisés où un chirurgien sélectionne le type de procédure à effectuer à partir de la base de données informatique, puis le patient s'allonge dans la nacelle et la machine effectue l'opération ou la procédure médicale. Ces types de lits permettent aux chirurgiens ou docteurs de diagnostiquer, de traiter et d'effectuer un large éventail d'interventions chirurgicales grâce aux incisions laser ultra fines guidées par un balayage anatomique 3D. Les nacelles de réatomisation régénèrent tout le corps humain en 2 ou 3 minutes, de la tête aux pieds, et peuvent utiliser des technologies de régression de l'âge. Toutes les fonctions corporelles et les taux métaboliques sont surveillés à distance. Il n'y a donc pas de moniteur attaché à la personne. Que signifie cette technologie de pointe pour une femme de 80 ans par exemple? Eh bien, elle pourrait redevenir jeune, avoir des enfants et fonder une nouvelle famille si elle le souhaite. Les nacelles ou capsules holographiques sont utilisées pour les programmes d'immersion des émissaires stellaires, des starseeds. La personne s'immerge entièrement dans un liquide de couleur ambre, très riche en cellules souches et en oxygène, et doit le respirer. Ce liquide est similaire en composition et texture au liquide amniotique dans lequel un fœtus baigne avant la naissance. Parmi les technologies qui me furent présentées, il faut entre 3 et 6 mois pour que le corps se régénère entièrement pour revenir à l'âge considéré comme fondamental de 16 ou 17 ans. La personne est entièrement renouvelée et rajeunie de la tête aux pieds. Elle gagne 10 cm en hauteur, son visage et son corps redeviennent jeunes, ses cheveux et ses ongles poussent, sa force physique et sa vitesse sont décuplées. Son intellect se développe énormément, la personne peut apprendre en quelques heures au lieu d'années. Elle redevient pleinement télépathique, clairvoyante, clairaudiente ou télékinésique. À ce point, la personne peut sortir de la nacelle et vaquer à ses occupations normalement, après un temps d'adaptation à ses nouvelles capacités. Par exemple, pour saisir un verre sans le casser.
Dans le cas des émissaires stellaires, les starseeds, la personne entre dans une nacelle verticale qui se remplit du liquide régénérant et elle est mise en stase, c'est-à-dire en coma artificiel contrôlé. Pendant tout le temps où la personne est en mission sur Terre, peu importe le nombre d'années, le coma permet de mettre toutes les fonctions vitales au repos avec l'aide d'une intelligence artificielle comme nous l'avons déjà vu. Une âme est un signal, un ensemble de fréquences, pas une chose. Cette âme aura donc deux points d'attention, un point extraterrestre et un point terrestre, qui sont reliés entre eux. C'est l'intelligence artificielle dédiée qui cible la fréquence d'attention d'une personne et la fait correspondre ou la synchronise avec le corps qui va naître sur Terre. Les deux corps doivent être parfaitement synchronisés pour correspondre à la fréquence de chaque âme stellaire, puis ils se connectent comme un émetteur et un récepteur radio bien réglés qui communiquent entre eux. Lors de la synchronisation, toute l'attention de l'âme sera alors dirigée vers le corps humain sur Terre, puisque le corps extraterrestre est dans le coma et donc inanimé. Lors du décès sur Terre, ce sera l'inverse. Le corps terrestre n'est plus disponible et l'attention de l'âme réintégrera alors son corps stellaire extraterrestre d'origine dans la nacelle médicale. Ces nacelles sont entreposées principalement dans deux endroits, dans un bâtiment de type hospitalier sur la planète d'origine de l'émissaire stellaire ou sur un vaisseau spatial dans des salles spécialisées d'une longueur d'environ 2 km. Certaines biosphères artificielles sont aussi volumineuses que des planètes. Les plus légères de ces technologies, les lits médicalisés, sont en train d'être installés dans des hôpitaux dédiés sur Terre. Cette présentation est terminée. À très bientôt. Je suis Tim, votre animatrice de service et l'un des porte-drapeaux d'une communauté planétaire. Je vous remercie et je vous salue respectueusement, de cœur à cœur.